on va se retrouver aujourd'hui, petite balade avec le blaster. Tu vois, si tu as suivi les vidéos, je t'avais dit que je le refaisais, mais en fait, je vais te montrer. J'ai fait des petites soudures là où c'est fissuré. Je vais mettre à l'ombre. Je vais mettre à l'ombre. Et puis on va aller en faire mais tout de suite. Hein. On est après le boulot. J'en profite, j'ai pas fini trop tard. Il y a encore le soleil, tout ça. Donc on va se faire plaisir. Là, on va se faire la petite butte derrière. On va aller sûrement dans la gravière que je t'ai déjà montré. On va aller sur le circuit qui est un petit peu plus loin où je m'entraîne avec le CRF. Et puis voilà, dans la joie et la bonne humeur. Allez, à tout de suite. Ah, petite sortie avec le blaster. Avec le freinage à disque, tu vois, ben, je te le montre parce que je te l'ai pas montré dans la dernière vidéo, je crois, je t'en ai juste parlé. Et puis voilà, toujours le nouveau micro, donc la qualité sonore devrait s'améliorer, enfin j'espère, tu vois. Et puis voilà, bon, j'en ai fait chez moi, hein, parce que j'ai fait 2-3 petits trucs, tu vois. Donc ça démarre direct, on va s'ouvrir l'essence quand même. Là, j'ai mis en marche arrière. Donc ça fait ça. Là, je vais contrôler. Bon, il est encore bien chaud. Le couple là. Et on va se mettre dans les arbres. J'aime le couple de ce blaster. J'ai refait un peu de réglage carbu, je l'ai enrichi, donc du coup je me suis mis une bougie dans le sac à la bouclée. Et j'ai réglé aussi mon câble, parce que j'ai l'impression qu'il montait pas à fond le boisson. Sixième mon pote. On va aller se faire un petit champ. Ça remue. Et toi, tu dois pas le voir avec la stabilisation de la GoPro. Voilà, on quoi. La 6, 5, 4. Allez, en 4, tout l'embrayage. Allez, on va gaper direct. On va essayer de pas se tuer. Ah ouais, le frein c'est vraiment très très grave. Voilà, tu vois les ornières, c'est comme autre chose, hein. Bon. C'est intéressant de voir par rapport au CRF combien je fais de temps là. Donc là tu vois, ici avec le CRF, hein, je tourne en 59 je crois. Jusqu'au fer, tu vois, avec le Gaïtep, lui il tourne en 57. Voilà, il tourne plus vite que moi. Tu vois que j'ai vite perdu la vie de CRF depuis l'enfer. Lui il a continué un peu. Et je pense qu'on va pas faire plus de 2 tours. Il y a des maisons là-bas. Il n'y a pas longtemps, on a appris que ça faisait vraiment un peu de temps. Voilà, il est retombé la première. Ah, ça dit, ça va faire un autre job. Waouh. Pourtant, les crosses, ça glisse, mais bon, t'en as un peu le rythme. Et le fait, c'est un peu plus tendu. Ah, le frein, c'est vraiment inévitable. Bon, je ferai un tour pour comparer. On va rester un peu sur la plage. La plage pour faire idéale. Allez, et on va s'arrêter là. Ben, tu vois, ça a commencé à marquer. À force qu'on fasse du croche, je vais y arriver. Je
me demande si je vais pas aller me balader par là-bas. Qu'est-ce que c'est chaud de pouvoir avoir ça à côté de chez soi. Allez, j'espère qu'on entre pas trop, qu'on entre pas trop le coup, tu vois. Voilà, et du coup, je vous avais dit, je sais pas si vous l'entendez, quand je vais refaire le cadre en fait, avec la peinture, tout ça, tout le bordel. Je repasse le moteur parce que j'ai un roulement. Voilà. Au relâchement, en fait, on l'entend et qu'il fait. Il fait un petit bruit. Et j'ai pas envie de tout casser. Donc avant que le roulement il se fasse la malle, tu sais, la cache, on va quand même le refaire. Ça fait chier parce qu'il faut rouvrir, tu vois. Il n'y a pas énormément d'heures en plus, c'est mon roteur. J'ai mis le vélo où il décoche. Il y a une petite boîte dans les pieds. Merci de l'effort. Un petit roue ta pierre. Et tu vois si les blasters c'est en panne. Ah mais tiens, je vais aller à cet endroit. On va monter à la butte. On sait, c'est pas grave. Allez, cross YouTube. Et moi je suis pas de Baltimore, je sais pas faire de gauche droite avec mon poids. Allez là c'est le drame. Il se prend pour quoi dire hein, et ne passe pas la totalité du canal. Voilà, et la vidéo vous avez dû avoir il y a une semaine, je sais pas comment j'ai publié. Tu vois, on est sur la fameuse butte. Et tu vois, en fait, on dirait pas, mais déjà, alors je gappe pas énormément, mais en fait, je saute, tu vois, de là et j'atterris en bas sur le replat, là. Il y a, je sais pas, 4 mètres. Oh, c'est pas énorme pour une moto. Mais bon, on pourrait le faire là-bas, mais bon, là-bas, il y a la route. Et puis, de toute façon, le kick, il est en cours pour atterrir vraiment plus bas, surtout prendre un peu de hauteur, tu vois. Tu vois, là, je suis descendu à peine, on est déjà en haut. Voilà, et le kick, il faudra que je le fasse, qu'il soit modulable en fait, pour monter dans la montée, retomber sur la gauche, moi je préfère rouler par la gauche, ou faire un saut et atterrir genre sur une belle longueur, quoi, se mettre un petit 20 mètres, ce serait bien. Ça pâche un peu trop, là. Voyons, on va tenter un truc. On va pas reposer la roue dans le vide. Ouais, on va retourner à nos moutons. Mais quitte à être là, je voulais vous le montrer. On va y tirer à gauche. Quel danger public ce mec. Allez, sixième, on se tente. Voilà. Sixième, hein. Sixième, et le coup d'embrayage, le coup de cul, ça monte. Hop là, pas légal. Hop, légal, pas légal. On va se faire une fuyant. Partout là.
les petits kiffs dans le sable. On coupe. Ça drift, on coupe. Allez, les watts. On va laisser refroidir la bête. Allez, qu'est-ce que ça a donné? Ah oui, là c'est sec. C'est sec, c'est bon. Par contre, ça glisse énormément. Ouais, petite pause pour le coco. Et vu que j'ai toujours pas le coup contact, et ben je coupe à la vitesse. Je te disais sur un précédent vlog, tu vois, la texture de ces trucs, elle est trop bizarre. Encore là, c'est bien sec dessous, tu vois, mais c'est très grumeleux. Ça se disloque. Et du coup, quand c'est humide, en fait, tu te fous entre, c'est particulièrement humide dessous. Et là, ça va. Bon, allez, je vais soulager ma WC. Puis on se reprend. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux? Se soulager la vessie en plein air avec le blaster devant. Allez, après avoir remué la goutte, c'est reparti. Allez, petit test. Oh oui, c'est beau. C'est beau. Ça regarde, je sais pas ce qu'il voit là en train. Oh, il y a du... Oh, je sais pas le jeu, on voit. Ce tube, il me donne une petite idée, tu vois, quand même. Je sais pas si je fais pas, tu sais, un reposage de roue sur le tube et passer l'autre côté. On va peut-être se tenter ça. Est-ce que je vais me fracasser ou pas? Oh putain, tu vois, c'est mou de ouf là. Allez, voyons voir. Allez, vu qu'il tire pas gauche, on se met pas droit. La 2. Ton hibou, tu connais? Ça marche absolument pas. Le truc il vient avec moi quoi. Oh putain. On peut pas faire un truc hein. Oui oui oui. Oh oui c'est bon. Ça passe. Allez, il n'y a plus qu'à le faire. Vraiment on tape à la roue. Ah, c'est énorme. Comment faire un jouet quand même, tu vois. C'est pareil, même combat. On joue avec les mêmes choses, mais sauf qu'il y a des moteurs, tu vois, quand t'es grand. Faut que je le prenne juste un peu plus vite, je pense. Pour pouvoir basculer de l'autre côté. Après, l'alignement, on était pas mal, tu vois. Voilà, tu vois, ça passe. Voilà, appelez-moi ton hibou. On va se le mettre dans l'autre sens. Je l'ai pas monté assez le quoi. Mais hein, c'est passé encore mieux en fait. On se remet une dernière fois et puis après on va bouger d'endroit. On a un peu de biais là. C'est pas grave. Voilà, j'ai chopé le truc en fait. Basculage de poids là-dedans, enfin vers l'intérieur. Et voilà quoi. Ça passe tout seul. On va aller voir là-bas s'il n'y a pas du sable. Où je vais aller voir là-bas si j'y suis. Ah ouais, incroyable, j'y suis. Bon, qu'est-ce qui s'y passe là? On va peut-être pouvoir faire la même. Hein.
Oh non, 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 non. Oh non. Alors là, là les gars, là c'est la méga merdasse. Parce que... Voilà. Et là, regarde, si je me pose avec mes pieds. C'est le sable mouvante. Ah, je devrais bien m'en sortir en vrai. Ah, même si je glisse un peu. On va juste y aller petit à petit. Et dès qu'on aura chopé l'air, on sera bon. Voilà, il n'y a plus qu'à aller décrotter les pneus. Putain, quelle galère. Je la déteste, cette boue. Et d'ailleurs, il y a des traces de sanglier, tu vois. Le sanglier. Le sanglier. Tout, 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 tout à l'arrêt, c'est encore tellement. Non mais même là, il part pas, regarde. Hein. Non mais... Non mais c'est la folie. Non mais il me manque 10 cm, ça suffit. Voilà, quand même, Jaco, tu vas pas me merder. Voilà. Bon, on s'y fera plus avoir. Voilà, on décrotte comme ça avec Juju. Putain, comment je vais faire pour choper le frein propre? Alors on va tester si j'échappe le frein bien. Ouais, c'est bon. Et ça, je cale juste au frein moteur, pas le frein. Allez, on remonte. Du super enduro quad. Est-ce que ça ferait pas un saut de fossé malgré qu'il n'y ait plus de bordure? Tu vois le quad, le fossé. Le fossé, le quad. Ah, il a fait un trou. Ah, le corps. Ah, attends, je vais le refaire pour la forme. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. On est un poil pauvre sur le mi-régime, tu vois. Là, il repart, mais... Ah oui, du beau freinage, là. Et on se met sur zéro. Ça va, et après, il repart. Putain,
putain, j'en peux plus, je te lève dans tous les sens. Tu tires un peu, c'est bon quoi. Oh putain, qu'est-ce que je kiffe ce petit quad. Vraiment plus de tours hein. Voilà, en fait je sais pas si je vous l'avais dit, mais quand je l'ai remonté, j'ai enlevé la pipe de 125 CR. J'avais pareil le même carbu 28, mais je m'étais dit que c'était la pipe, tu sais, par son diamètre qui faisait que qu'il allait chercher un petit peu plus haut dans les tours, et en fait non, pas du tout. C'est juste que pour le coup j'avais mal réglé ma hauteur de boisseau quoi. Ah mais voilà, putain, c'était cool. Ah, c'était vraiment cool, surtout la fin, hein. J'espère que tu n'auras pas lâché la vidéo, mais bon, si tu me regardes, c'est que tu n'as pas lâché la vidéo. Ah, tu vois, toujours cette bête d'endroit trop génial que j'adore. La gravière en fond, les petits lacs, il y a toujours de la végétation, c'est toujours aussi beau, donc voilà. Bon, on va pas s'éterniser, tu as vu que le quad il a pris une sacrée mort, donc maintenant je vais aller me laver, laver le quad, et puis voilà, on va être tranquille. Je vais essayer de vous refaire peut-être une ou deux vidéos avant le démontage du blaster. Histoire que tu vois que vraiment je la mette, que je fasse pas une réparation. La réparation, faut qu'elle soit rentable en fait, voilà. Quand je vais faire des plaquettes, un piston, des roulements, faut que ce soit rentable. Et puis voilà, on fera tout ça ensemble. J'espère que ça va le faire, que tout va suivre son déroulement. En fait, voilà. Pour t'expliquer, j'ai pas pu le faire ce mois, parce que bien évidemment, moi je suis propriétaire de ma maison. Et l'État, il m'a dit, paye la taxe foncière. Tu vois, je la paye tous les ans, elle a pris 30 et quelques euros. C'est le top. Merci Macron, merci la République. Sans déconner. Petit moment politique. Ouais, je le couperai, je pense. Dans tous les cas, n'hésite pas à partager mes vidéos, à liker mes contenus, à aller voir mon Insta, mon TikTok. Mon TikTok, je fais des trucs un petit peu débiles, gna gna, tu vois, bon, c'est TikTok. L'Insta, c'est plus de la vie courante, les photos d'atelier, les photos de ce que je fais. Et puis voilà, on va se quitter sur cette belle image de coucher de soleil qui s'est déjà couché. Petit lac, enfin. Je te dis, porte-toi bien. Allez, ciao.